Encore Ochini qui insiste et puis un relais. Oui, le relais avait été parfaitement orchestré. Il fallait battre la formation des Primeiro d'Agosto d'Angola pour se qualifier en quart de finale. Chose faite par les tout-puissants Mazembe Anglebert qui a dominé la formation angolaise des Primeiro d'Agosto ce samedi sur les scores des 2-1 à match de la 4e journée des phases des groupes de la Ligue des champions africaines jouée ce samedi 11 janvier 2019 au stade Mazembe de la Kamalondo. Les Angolais étaient les premiers à trouver les chemins des buts à la 8e minute par l'entremise de Mabouloulou qui coupait la trajectoire sur un centre des corners allant de la droite vers la gauche. Il était désorienté jusque-là et là c'est l'ouverture du score. Voilà un beau résumé avec Mabouloulou qui avait donc ouvert le score à la 8e minute de jeu. 1-0, score à la pause. Au retour de Vessière, les protégés des Pamphili Miyayo prennent les choses au sérieux et obtiennent l'égalisation à la 59e minute par le canal de Chico Ushindi wa Kubanza. Tout a commencé ici à Mazembe, à Lumumbashi, avec le but de Mabouloulou. Et là, c'est l'égalisation en deuxième mi-temps, signé Ushindi. Et c'est avant que Jackson Muleka alourdisse les scores à la 69e minute. 2-1, score final. Ushindi. Encore Ushindi qui insiste. Et puis un relais. Oui, le relais avait été parfaitement orchestré par Likonza qui avait suivi l'action et qui a pu prolonger le ballon. Cette victoire permet au team noir et blond d'arracher son sésame pour les quarts de finale avant d'affronter Zamalek d'Égypte et Zesco United de la Zambie en match de la 5e et 6e journée. Dans l'autre explication du groupe A joué ce vendredi 10 janvier, la formation des Zesco United s'est inclinée devant Zamalek de l'Égypte 0-2. Au classement partiel, Mazembe trône en tête avec 10.5, suivi des Zamalek 7.1. Primeiro et Zesco restent respectivement à la 3e et 4e position avec chacun 2 points.